Bonjour, alors voilà, j'ai des artichauts. Donc, ce sont des artichauts un peu spéciaux. Ce sont des artichauts qui viennent d'Italie, plus précisément de Sardaigne. En plus, c'est vrai, ça vient directement de là-bas. Donc, vous voyez, c'est des artichauts épineux. Ils ont des épines. Là, c'est pour ça que j'ai un gant, hein, d'ailleurs, ainsi que là. Alors, faire surtout attention, hein. Donc, c'est pour ça que j'ai un gant. Je vais donc venir couper là, à la base, comme les artichauts qu'on fait toujours d'habitude. Je viens couper. Voilà. On vire ça. Et là, donc les feuilles qui restent, je viens enlever les épines. J'ai pas envie de me piquer, hein. C'est bon, j'ai enlevé les épines. J'enlève donc les premières feuilles. Donc voilà, on fait comme pour un artichaut normal, hein. Voilà, donc on les nettoie comme ça. Donc voilà, une fois tous les artichauts coupés, nettoyés. Pour les cuire, on les met dans une casserole. Voilà, retournez comme ça. Je vais rajouter de l'ail. Donc, pas mal d'ail. Couper en petits morceaux. Je mets 4 gousses, parce qu'elles ne sont pas très grosses en plus. Et on va venir mettre aussi des tranches de citron. Donc un citron. Donc là, c'est un citron non traité. Et ça va donner du goût, bien sûr. Donc voilà. Alors, on va les saler. On va les saler. Et on va les poivrer. Et à ce stade, je viens rajouter de l'eau, donc à mi-hauteur. À mi-hauteur des artichauts. Voilà, je vais mettre encore une tranche de citron. Je vais enlever le pépin. Ainsi, j'aurai pas de surprise. Après, si vous n'aimez pas les cuire comme ça, vous pouvez les cuire simplement dans de l'eau, faire une vinaigrette à part. Bien moutarder car il faut bien mettre de la moutarde avec des artichauts, mais sinon cette cuisson-là donne un bon goût et je vous la conseille vivement. Alors voilà, on va vérifier. Ah ben, mon couteau rentre super facilement, donc c'est cuit. Alors en fait j'ai mis quand même 45 minutes pour cuire, hein, ces artichauts. Presque 45, on va dire 40-45 minutes. Et voilà, il n'y aura plus qu'à déguster, hein.